grand plaisir de nous retrouver encore pour le compte de cette grande émission, Débat pour la Nation. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous ne cessez de devenir très nombreux pour attendre et suivre cette grande émission. Merci beaucoup pour cet amour et cette passion à l'égard de cette grande chaîne également, Perfect Télévision. Merci beaucoup à toute l'équipe de Perfect Télévision, à tous les personnels. Il y a Belgodor que je vois ici avec moi dans ces beaux plateaux, dans ces beaux studios. Il y a également Fille Alongué là au niveau de la régie, derrière la baie vitrée. Alors, dans le banc au cas, la terre, Bwana, à l'époque, quand on était de l'autre côté. Je suis avec les porte-parole de l'Envol. Actuellement, l'Envol, je ne sais pas, monte de plus en plus. C'est vraiment l'Envol de ces partis politiques qu'on appelle Envol, avec les députés nationaux, l'honorable Adélie Sessanga, lui du moins. Et il pourrait bénéficier de ces qualificatifs d'honorable parce qu'il fait un grand travail et puis un bon boulot apprécié par l'opinion. Selon un bon sondage, on voit comment est-ce que l'opinion apprécie ce qu'il argumente comme réflexion. Je suis avec Maître Rodrigue Ramazani, comme je disais, porte-parole de l'Envol. Avec lui, nous allons analyser l'actualité. Comme vous le savez, il y a une opinion de M. Adélie Sessanga qui surquille depuis deux ou trois jours comme ça, et compte tenu du calendrier électoral ou soit des élections. Nous allons revenir également aujourd'hui, le président de la République a ouvert la 52e assemblée plénière des forums des parlementaires de la SADC. Le président Félix Tshisekedi a émis les vœux de voir ses travaux déboucher sur les pistes de solutions pour prévenir les conflits armés dans la sous-région et partout dans les continents. Nous allons parler également de la clôture de ces processus de paix au niveau de Nairobi. Ça devrait être clôturé hier, comme je vous avais dit, mais compte tenu de certaines irrégularités, on parlerait, selon la présidence, d'un problème de logistique, mais selon une autre source d'information, on parlerait d'un prétendu détournement des perdièmes. Et on ne sait pas. Et j'ai vu Uhuru Kenyatta, le facilitateur de l'EAC, c'est gravement fâché, il n'a pas apprécié l'acte, mais du moins aujourd'hui, on a clôturé à certains mouvements rebelles qui ont demandé l'amnistie et la libération de certains de leurs ici arrêtés au niveau de Kinshasa ou soit en RDC. Nous allons prendre ça également, prendre d'autres questions d'actualité avec Maître Rodrigue Ramazani qui je m'en vais recevoir. Maître, comment vous allez en forme? Je me porte bien, Gramic. Je tiens à saluer les Congolais qui vont nous suivre. Oui. Je salue l'équipe technique qui nous accompagne aujourd'hui. J'ai été salué aussi. Parce qu'après plusieurs temps de clandestinité, on se retrouve sur ces grands plateaux de débat pour la nation. Afin de parler de la République, je viens porter la voix de mon parti, l'Envol. Et à travers ça, nous allons échanger. Merci beaucoup, Maître Rodrigue Ramazani. On commence, avant d'aborder les sujets, je vous informe que l'artiste et musicien Fally Ipupa est invité ce jeudi. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi, mercredi, jeudi, l'artiste Fally Ipupa est invité au niveau du parquet de la Gombe, compte tenu de son concert, où il y a eu plusieurs mois son concert au niveau des stades des martyrs. Il y a Fally Ipupa et M. Etel Ngombe qui sont invités. Alors, Maître Rodrigue Ramazani, d'entrée de jeu, on prend cette assemblée, la 52e assemblée plénière du forum des parlementaires de la SADC. Le président a réitéré encore les vœux de voir déboucher aux pistes de solutions compte tenu de ce qui se passe à l'est du pays. Vous, particulièrement, vous croyez toujours à ces structures sous-régionales ou bien vous pensez qu'on doit essayer un peu s'écarter de ça ou soit essayer un peu de voir autrement? Je vais aborder cette question sur deux volets. Le premier volet, c'est la position que la République démocratique du Congo avait prise lorsqu'il y a eu tout ce tumulte à l'est du pays. La République démocratique du Congo, évidemment, le gouvernement de Félix Tshisekedi, le gouvernement sous Félix Tshisekedi, a décidé de tourner le dos à ceux-là qui étaient nos partenaires privilégiés sur la situation de l'Est. Comme qui? C'était la SADC. Ah, d'accord. La SADC, depuis de longues années, la SADC nous aide, intervient très souvent, les pays de la SADC, sur la situation à l'Est, et ils nous ont aidés plus d'une fois à contenir cela.
que malheureusement, Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a tourné les doigts à la SADC. Certainement qu'il ne maîtrisait pas les dossiers d'État. Il ne maîtrisait pas pourquoi est-ce qu'on n'approchait pas... Certainement, il ne maîtrisait pas les dossiers d'État. Ça ne pourrait pas être un peu très fort. Non, je parle des dossiers publics de l'État. Je ne parle pas de sa vie privée. Ah, d'accord. Ce n'est pas fort faible. Il s'agit des réalités sur terrain. L'analyse est telle. Donc, le président de la République, certainement, il ne maîtrisait pas les dossiers d'État pour se dire ou savoir que les pays qui ne sont frontaliers sont des pays qui, dans la plupart des cas, on ne pouvait pas se retrouver entre République démocratique du Congo et ces États-là, notamment, se retrouver dans des situations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Ouganda. On ne pouvait pas imaginer pareil scénario. Malheureusement, le président de la République avait pris des options qu'il avait prises. Je tiens à rappeler à l'opinion qu'elle envole à l'époque par une analyse de l'honorable Sessanga, avait pris position pour dire que les retours à la SADC étaient préférables que l'EAC. Et aujourd'hui, je crois que dans la configuration des choses, tout porte à croire que tourner les doigts à la SADC, c'était une très mauvaise décision. Parce que l'EAC, jusqu'aujourd'hui, je crois que vous le constatez avec moi, que le pouvoir de Félix Tshisekedi est tourné à bourrique. Et conséquence est qu'à l'est de la République, il y a le pays, nos compatriotes sont en train de payer des lourdes tribus parce que les chefs de l'État avaient pris des mauvaises décisions, notamment de nous amener dans des accords bilatéraux avec des pays ennemis, de nous amener dans cette histoire multilatérale à mille têtes avec des États dont on ne maîtrise pas, dont il lui-même ne maîtrise pas les ambitions et les enjeux au niveau de la sous-région. Et là, nous nous retrouvons dans l'antichambre de la balkanisation où le pays est obligé d'avoir des zones tampons avec des groupes terroristes ennemis du Rwanda, qui viennent du Rwanda. Maintenant, pour le deuxième volet de votre question, j'aimerais dire ceci. Je crois que l'enfant l'a toujours dit. Le problème du Congo ne peut se résoudre contre le Congolais. Parce que notre problème, ce n'est pas les autres. Notre problème, ce sont nos turpitudes internes. Ah, et l'honorable Sessanga en vol, nous l'avions dit à travers une déclaration depuis juillet 2020, s'il vous plaît, que le problème, ce n'est pas de s'attaquer aux autres. Qu'est-ce que nous faisons en interne? Et généralement, le Congolais, nous avons tendance à contourner les problèmes au lieu de les affronter et de trouver des vraies solutions aux problèmes. On a tendance à tourner les problèmes et à pointer le doigt des autres, à pointer le doigt à la communauté internationale, à pointer le doigt les autres. Non, le problème du Congo, c'est nous. La communauté internationale ne nous a jamais empêchés de construire une administration. Ah, d'accord. Donc, le problème du Congo, c'est d'abord... Le Congolais, nous-mêmes. Comme a dit Colette Bergman également. Mais d'ailleurs, parce que le Congolais, nous sommes dans ce problème-là depuis des années. L'envol et l'honorable Sessanga, nous avions dit tout ce que Colette Bergman a dit dans son édito, le tout dernier, en 2022. Nous l'avions dit en 2020. Mais pourquoi aujourd'hui ça apparaît un nouveau sujet, alors que l'envol a déjà pris position sur cette question? Mais quand c'est collègue Brakman qui le dit, quand c'est Kagame qui tire les oreilles de Tshisekedi, quand c'est Museveni qui le fait, tout le monde est agité. Mais l'envol a déjà soulevé cette question pour vous dire que le Congo ne peut pas avoir d'amis. Le Congo doit se construire lui-même. Nous l'avions dit, mais faute d'un leadership éclairé et visionnaire, le Congo est en train de marcher à tâtons. Le Congo est en train de tâtonner. Et aujourd'hui, nous sommes dans des situations compliquées. Nous avons toujours dit que le problème du Congo doit se solutionner ici. Arrêtons d'accuser la communauté internationale, parce que la communauté internationale n'empêche pas aux Congolais de construire une administration, n'empêche pas aux Congolais d'avoir une police républicaine et professionnelle, n'empêche pas au Congo d'avoir une armée coordonnée et organisée. Non, le problème, c'est nous. Posons-nous des vraies questions, trouvons des solutions à nos problèmes. Arrêtez, on l'avait déjà dit à Félix Tshisekedi, arrête d'aller à Luanda pleurnicher, arrête d'aller à la SADC pleurnicher, parce qu'à la fin de compte, lorsqu'il finit de pleurnicher, parce qu'il a pleurniché déjà à la SADC ici, lorsqu'il a fini, il n'y a eu aucun communiqué. Les présidents ne pleurnichent pas, en tout cas. En tout cas, pour moi, c'est ça.
Et l'opinion publique le sait. Il n'y a aucune organisation qui a pris position pour lui. Pour suivre ses pas. Alors qu'à l'époque de Moussa Kabila, la SADC avait clairement condamné l'agression rwandaise. La communauté internationale avait clairement condamné l'agression rwandaise. Et il y avait eu même des sanctions en 2013. Je crois 2013 ou 2012, le Rwanda a été sanctionné par la Grande-Bretagne. Avait suspendu ses financements sur certaines questions. Mais aujourd'hui, des problèmes qui se posent, il faudrait arrêter de regarder les autres. Le Congo, aujourd'hui, nous devons être sérieux. Ce qui se pose aujourd'hui, en termes de gouvernance, c'est un manque de sérieux criant. Un manque de sérieux criant, très cher Gramic, très cher Congolais. Pouvez-vous imaginer, parce que vous l'aviez dit au départ ici, il y a même des détournements. Exactement, nous allons en parler. Certainement. Donc, ça veut dire, pour comprendre simplement que le vrai problème, c'est nos turpitudes internes. Nos turpitudes internes, nous engageons très mal nos politiques publiques. Où est-ce que le gouvernement a mis plus de moyens de l'État? Dans les voyages du chef de l'État. $2,500,000 par voyage, une affaire de 200 voyages, faites tes calculs. En 2019, pendant que l'envol demandait au gouvernement de la République, à Félix Tshisekedi, de se concentrer à construire une armée dissuasive, une armée républicaine, et à réformer nos systèmes de sécurité. Les moyens qu'on a gaspillés dans le voyage du président de la République, on aurait fait œuvre utile à les placer dans des domaines domaines qui nécessitaient des moyens pour que nous soyons aujourd'hui, 4 ans après, en mesure de sécuriser nos compatriotes et de protéger notre indépendance ainsi que notre souveraineté. Merci beaucoup, Maître Rodrigue Ramazan. À titre également informatif, il y a un Congolais, un jeune qui vient de concevoir une micro-fusée. On l'a présenté auprès du ministre José Panda. Je pense que nous allons revenir là-dessus. Mais chez vous, au niveau de l'envol, comment aviez-vous accueilli ces financements de l'Union européenne de 20 millions d'euros octroyés au Rwanda pour son intervention au niveau du Mozambique? La réaction, je ne sais pas, ou soit étant que personnalité, acteur politique, comment vous réfléchissez là-dessus? Parce que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous pensez que c'est un signe de complicité aussi longtemps le Rwanda est en train de tuer en République démocratique du Congo? Là, je profite même pour dire paix aux âmes de Congolais massacrés au niveau des Kishishe, Nord Kivu, en plein état de siège, mais les bilans étaient revus à la hausse. On parlerait déjà de plus de 300 morts. C'est énorme. Vous, comment vous réagissez face à ces financements de l'Union européenne octroyés au Rwanda? Cela ne fait qu'affirmer ce que je disais au départ. Lorsque vous le liez, évidemment, comme les Congolais, nous aimons bien le lier à Colette Brickman. Ok, lié à Colette Brickman, mais nous, on l'avait déjà dit, on a vu ça avant, que le Congo, en réalité, le Congo est seul. Le Congo doit s'auto-définir. Le Congo doit s'auto-construire. Au lieu de prendre l'argent, parce que, bon, je vois les parlementaires européens payer à titre de lobbying. Oui, ce sont des lobbyistes. C'est un lobbyiste. Les messieurs là qui a... Il n'y a pas que lui, il y a la dame. Ces gens-là, ils ont été payés pour prendre position pour la République du Congo. Donc, ils ne le font pas par... Ce n'est pas nouveau. Par compassion. Ce n'est pas des procédés qui tombent du ciel. Nous l'avons vécu à l'époque de Kabila. Il y avait des parlementaires européens qui ont parlé pour défendre les pouvoirs de Kabila. Ne soyons pas amnésiques. Donc, ça ne changerait rien. Ne pourrait rien changer. Mais après ces discours de ces deux grands parlementaires européens, prenons-les comme ça, l'Union européenne a donné 20 millions de dollars à titre de financement au RDF, à l'armée rwandaise. Une armée criminelle. Terroriste. C'est pour dire au Congo, c'est pour dire aux dirigeants congolais, arrêtez de dormir, soyons sérieux, soyez sérieux. Vous pouvez imaginer, parce que nous parlons du sérieux aujourd'hui. Les déplacés internes, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je crois, le secrétaire général de mon parti a fait un déplacement. Ah oui, a fait un déplacement vers le Nord Kivu, à Kanya-Rushinya, pour rendre visite aux déplacés internes qui vivent dans des conditions humanitaires inacceptables. Infrahumaines.
Mais on n'est pas sérieux. Et j'ai suivi le porte-parole du gouvernement aujourd'hui. Curieusement, ils sont au courant de la situation. Ça fait des mois, ils n'agissent pas. Ils disent, ok, les dispositions sont en train d'être prises. Depuis que les dispositions étaient en train d'être prises. Hier, j'ai vu le premier ministre en train de lancer une histoire de solidarité. Pendant ce temps, 14 milliards, on nous dit, oui, il y a 14 milliards dans le trésor public. Il y a les Congolais qui vivent dans des conditions inacceptables. Et ils sont là parce que le président de la République et son pouvoir, ils ont pris des mauvaises décisions. Et aujourd'hui, le pays est plombé dans cette situation. Nos compatriotes sont obligés de vivre dans des conditions inacceptables. Le gouvernement est en train de prendre des dispositions. Mais où sont les urgences de ce pays? Quelles sont les urgences de ce pays? Donc ces enfants qui dorment à la belle étoile. J'aimerais voir les ministres de ce gouvernement accepter une seule journée que leurs enfants vivent dans les mêmes conditions que les déplacés, les différents déplacés internes qui sont dans ce pays. Ils ne vont jamais l'accepter. Mais pour les autres, ils prennent du temps, ils doivent réfléchir. Mais pour eux, c'est de l'urgence. Où sont nos urgences? Où sont nos priorités? La seule question. L'argent de l'État sert à quoi? À part les détourner à terme de perdiem à Nairobi. Soyons sérieux. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas les 20 millions qu'on va donner à l'armée rwandaise, l'armée congolaise. Le problème, c'est la gouvernance chez nous. Les gens doivent être sérieux. Aujourd'hui, les Congo n'ont pas de dirigeants sérieux. Nous n'avons pas de dirigeants sérieux, très chers Congolais. Et c'est vraiment le nez du problème. C'est pourquoi moi je le dis et je le répète encore aux Congolais. L'occasion leur sera donnée le 20 décembre 2023 d'élire un nouveau président. Il faut élire un nouveau président, un président qui a une vision. Pas un président qui nous conduit sous mode pilotage automatique alors qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de boussole. On ne sait pas où on amène le pays. Au contraire, la situation économique d'avant s'est détériorée. En 2018, la situation économique était encore acceptable. La situation sécuritaire était encore acceptable. Ouais. Tout s'est détérioré. Tout le secteur de la vie nationale ne fonctionne pas. Rien ne marche. Un bilan chaotique. C'est pourquoi je dis aux Congolais qu'en 2023, la seule chose à faire, c'est d'aider le Congo à mettre Félix Tshisekedi hors d'état de nuire. Merci beaucoup. Qu'il devienne un sénateur à vie. Pour que le Congo soit dirigé avec des personnes qui ont une vision, qui savent où amener les pays et qui ont suffisamment du sérieux pour conduire cet État. Alors, Maître Rodrigue Ramazani, on prend ça on doit effleurer un peu cette question. Les massacres au niveau des Kishishe, comment vous réagissez-vous? Plus de 300 morts congolais. Selon les informations officielles, on parlerait des M23, les massacres attribués aux M23. Mais la question que je me pose, dans ce coin du pays, le Nord Kivu, il y a l'état de siège. Comment on peut massacrer aussi longtemps? Les ministres sommets également de Luanda a estimé à un cessez-le-feu. Je ne sais pas si c'est respecté ou non. On avait assisté à un semblant des trêves, mais jusqu'à présent, on nous parle des massacres, de ces massacres ici, des Kishishe, plus de 300 morts. La réaction, ça fait très mal de voir 300 Congolais, 300 vies humaines, la Constitution consacre la vie humaine, elle est sacrée, mais on ne sent pas la réaction active de nos autorités. C'est vrai qu'on a décrété deuil national, mais la réaction active de nos autorités, pourquoi on doit toujours tuer des Congolais? Nous, les Congolais, apparemment, on ne réagit pas. J'ai très mal, Gramic. Les Congolais n'est pas gouverné. Les Congolais ne sont pas protégés. Les Congolais sont abandonnés. Le pouvoir de Félix Tshisekedi a démontré ses limites. C'est inacceptable. Comment? Parce que vous le dites, dans une zone où on a proclamé l'état de siège. Dans une zone où la sécurité est censée être renforcée. Forte même, au maximum. Je tiens ici à présenter d'abord mes condoléances au nom du parti Envol, du président national de mon parti, à toutes les familles pleurées, mais aussi à la nation congolaise. Ça fait très mal, Kramik. Ça fait mal. C'est l'abandon de l'État. Ça fait tellement très mal. Un gouvernement a pour premier rôle, c'est de sécuriser. C'est de sécuriser sa population. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est incapable de nous sécuriser. Mais nous parlons de Kishishe, c'est très loin. À Maluku, il y a eu 12 morts. Exactement, à Maluku. À Kinshasa, quelques kilomètres de Kinshasa.
le phénomène qui vient de Kwamout est déjà à Kinshasa. J'ai appris Silvano qui dit que non, j'ai maîtrisé déjà la situation, mais après les morts. Je ne sais pas, on doit maîtriser la situation avant les morts. Allons-y. Et l'envol avait tiré la sonnette d'alarme de cette situation qui était non loin de chez nous. Parce que ça commençait en Kwamout et puis ça a pris tous les grands bandes d'eau. L'envol a tiré la sonnette d'alarme et l'honorable Sessanga avait même déposé une question orale avec débat pour le ministre de l'Intérieur. Et jusqu'à présent. Jusqu'à présent, les Biromboso n'activent pas cette question orale avec débat. Qu'est-ce qu'ils attendent? Que ces coupeurs de tête arrivent à Gombe, à l'Assemblée nationale, pour qu'ils comprennent l'importance qu'il y a, pour que le Congolais sache ce qui se passe dans leur ville et dans leur pays. Nous parlons de Kishishe, mais à Kinshasa aussi, il y a eu de morts. Et chaque jour, le Kuruna coupe. Exactement. Avec machette ici à Kinshasa. On n'est pas sérieux, j'insiste. Ceux qui gouvernent ce pays ne sont pas sérieux. On peut tout dire. On peut condamner les autres. On peut condamner la communauté internationale. Mais est-ce que la communauté internationale nous empêche, nous aussi, de contenir le phénomène Kuruna à Kinshasa? Et qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne sais pas, c'est une naïveté du gouvernement, des autorités congolaises? C'est le manque de sérieux. On n'a pas de gouvernants sérieux aujourd'hui. La priorité de cette gouvernance s'est démontrée pendant 4 ans ailleurs, dans des voyages, dans la jouissance. Ils se rendent compte en retard que la situation du pays s'est aggravée. Et dans tous les secteurs de la vie nationale, ceux qui nous dirigent aujourd'hui ne sont pas sérieux. Le pouvoir de Félix Tshisekedi, son régime, n'est pas sérieux. Les Congolais sont morts. Plus de 300 Congolais sont morts à Kishishe. Et puis, ce coin-là est déjà contrôlé par les M23. Bounagana, Kiwanja, Kishishe. On est où? Plus de 6 territoires. C'est ça que je dis. Vous savez, lorsque on ne comprend pas le problème, on ne saura pas trouver la solution. Grammy, les Congolais, les problèmes que nous connaissons aujourd'hui au Congo, du point de vue sécuritaire, éducation, économique, finances publiques, c'est ces débâcles de la vie nationale que nous connaissons n'a qu'un seul problème. C'est un problème de gouvernance. N'a qu'une seule raison, allais-je dire. C'est un problème de gouvernance. Ceux qui gouvernent le pays ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire dans tout le secteur de la vie nationale. Mais comme il s'agit d'un problème de gouvernance, tant que vous allez maintenir le problème qui est Félix Tshisekedi... Donc le problème, c'est Félix Tshisekedi. Le problème, c'est Félix Tshisekedi, président de la République. Il prend de mauvaises décisions, soit il prend des décisions, mais en retard. C'est une force d'intervention tardive. Oh. Oui, en termes de décisions. Donc, Félix Tshisekedi, c'est une force d'intervention tardive. En termes de décisions, il prend des décisions en retard. Et malheureusement, la situation dégénère. Déjà, les Congolais sont morts. Déjà. Alors que gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Pas. Moi, ça me fait tellement très mal. Et aujourd'hui, vous savez, l'envol, on est très mal compris. Il y a des choses qu'on a dit depuis 2019. Notre sens, notre force de proposer, notre sens élevé d'anticiper la vie politique fait en sorte que, avec nos pères en politique, nous avons une longueur d'avance. Une longueur d'avance de 5 à 10 ans. Donc, les choses qu'on déclare en 2019... aujourd'hui devient des problèmes. Ce qui veut dire, si on avait suivi ce que l'envol avait dit depuis 2019, le Congo allait être dans une autre situation, pas dans une situation désordonnée qu'aujourd'hui. Mais maître, n'habitez, na lubango atana lingala bandeko bolanda biso. Ba Congolais na ba kufi plus de 300 bazo kufa chaque jour. L'État rôle na ya liboso régalien, ils a de protéger le peuple. C'est constitutionnel. Moussala ya liboso ya mokonzambo keza ko protéger peuple. Mais sur quoi autorité ben va vendre na bango 300 plus de 300 Congolais ba kufi na Kishishe na Maluku ba kufi bisika mususu ba baso kufa ba autorité ba sambo ben boye ba on ekana kaka ba lobi na bango pe kaka et puis c'est fini. Ba mususu ba mama Rose azana nini azana ay na lae na aya popo. OK, mais je tiens à rappeler quand même 300 ba kufi. Mais je tiens à rappeler, que dans l'enquête, il y a Nations Unies, Salema Petsila, rapport mapping. Ouais. Rapport, on est allé comptabiliser un million de morts. Plus de 6 millions. Télélo. Ouais.
plus de 6 millions de mentis. Qu'est-ce qu'on en a fait de ce rapport? C'est qu'il démontre qu'on n'est pas sérieux. Nous ne prenons même pas. Non, nos gouvernants ne prennent même pas nos morts au sérieux pour intervenir et agir en faveur de cette population. Si on ne prend pas, si on n'y prend pas garde, si on ne décide pas, de reformer notre système de sécurité, mettre en place une administration sérieuse et efficace, si on ne décide pas de rendre notre police professionnelle, les Congolais continueront à mourir. C'est ce que Félix Tshisekedi et son pouvoir ne sont pas prêts à faire. Ils ont d'autres priorités. Il suffit de voir ce qui se passe à la présidence pour comprendre qu'en réalité, si déjà l'administration présidence de la République est mal gérée, comment gérera l'État congolais? C'est catastrophique. Le problème qu'on a aujourd'hui au pays, il s'appelle le président de la République, Félix Tshisekedi. Et il est problème non pas parce qu'on ne l'aime pas, non pas parce qu'on est né. On le juge en rapport avec des décisions qu'il a prises. Il n'y a pas de gouverner, c'est décider. Il a pris des mauvaises décisions. C'est de notre droit même. Il a pris des mauvaises décisions qui aujourd'hui est en train de plomber le pays. Et c'est de notre droit même. On entre dans ces processus de paix qui s'est clôturé aujourd'hui. Et quel est le sérieux dans ce qui se passe là-bas? On a entendu depuis hier qu'on aurait détourné. Et nous avions suivi en tout cas des gens qui sont accros à l'internet, les réactions de Uhuru Kenyatta, énervé, révolté de ce qui se passe. Il a dit même que prochainement, si c'est comme ça, ça sera très difficile pour que les bailleurs de fonds, même pour ces processus, l'Afrique, on doit avoir des bailleurs de fonds pour ces processus de paix. La RDC avec toutes ses richesses, on doit avoir, l'EAC doit avoir un bailleur de fonds pour tenir ne fût-ce ces processus de paix. Je ne sais pas. Mais comment vous réagissez? Est-ce que l'Africain est sérieux? Écoutez, avant d'aller parler des Africains, vous savez, chaque État a ses priorités. Le Kenya sait exactement qu'est-ce qu'il est venu faire au Congo dans le cadre de l'EAC. Wow. Vous avez suivi. Oui. Chaque pays a ses priorités. A ses priorités. Vous pensez que les relations internationales est assise sur les intérêts entre États? Entre États, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas de frère entre... Parce que je vois le chef de l'État passer son temps après les autres, ses frères. Ses frères, oui. C'est bien. Or, les autres n'ont pas... Ce sont des gens... Ce sont des monstres froids. Les autres chefs d'État, ils n'ont pas d'état d'âme. Tout ce qui les guide, ce sont les intérêts de leurs États. Exactement. La preuve, parce que beaucoup ne le savent pas, j'avais lu un article qui parle de... qu'en 2038, d'ici 2038, le Kenya pense lancer le premier central nucléaire. La grande question qu'on doit tous se poser. L'uranium, il va. L'uranium, effectivement, au Qatara. Et deuxièmement, vous savez, le Kenya est arrivé, il a pris la BCDC. Ouais. Après, il y a eu cette fameuse arrêt, après l'arrivée de Uhuru Kenyatta ici, il y a eu cette fameuse arrêt de la Cour constitutionnelle, après, sur l'affaire. Jusqu'à la Cour constitutionnelle qui déclare une décision de justice inconstitutionnelle. Donc, pour vous démontrer qu'en réalité, ces États autour de la République démocratique du Congo ne visent que leurs intérêts. Ils ne visent que leurs intérêts. Il faut encore écouter le discours de Evariste Ndayishimiye qui dit aux Congolais, nous sommes là, nous allons vous sécuriser et nous allons quitter que le jour où votre pays sera en mesure de vous sécuriser. Parce que c'est que les riches du Congo aujourd'hui et qui veulent frauder aux élections en 2023 ne sont pas sérieux. Ils ne vont jamais construire une armée dissuasive, ils ne vont jamais avoir une police républicaine et professionnelle, ils ne vont jamais avoir le temps de réformer notre système de sécurité. Donc ça veut dire le vrai problème qu'on a. Ouais. Avec cette histoire de Nairobi, moi je le disais déjà que rien de bon ne sortira de là. Vous savez qu'on a, depuis qu'on a commencé l'année 2022, il y a eu trois signatures de cessez-le-feu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il y a eu des mises en garde de cessez-le-feu que l'M23 n'a jamais obtempéré. Il y en a eu trois. Il y en a eu, je crois, Angola 1, il y en a eu Nairobi, il y en a eu ensuite Angola 3. Oui, et aujourd'hui encore, je suis en train de lire cette histoire. Oui. Il faut arrêter. On parle de la seule chose. La seule chose à faire. La libération. Je voulais arriver. En réalité, lorsque vous lisez les conclusions, ce que les rebelles ont réussi à obtenir, c'est tout ce que le pouvoir Tshisekedi a promis au 1-23 en 2019. Cessation de poursuites. Amnistie totale et intégration dans la vie civile ou militaire. C'est tout ce qu'ils ont obtenu.
Vous pensez que... Et lorsqu'il parle de DDRCS, c'est ça l'intégration. En fait, en réalité, il n'y a rien de nouveau. Nos négociateurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils partent faire dans toutes ces négociations. Est-ce la voix de la RDC pèse vraiment dans ces négociations? J'arrive. Non, notre voix ne pèse pas. Lisez par exemple le communiqué final de Luanda. Luanda, je crois, Luanda 3. Et les ministres sommet de Luanda. Ministres sommet de Luanda. Qu'est-ce qui est sorti de là? Rien d'extraordinaire. Le Rwanda a obtenu pratiquement tout ce qu'il voulait. Le Rwanda a toujours dit que le M23 n'était pas un mouvement rwandais. On vous a dit que le M23 doit déposer les armes et rester sur votre territoire. Alors que pour l'approche de notre gouvernement qui était dans ces négociations, le Rwanda, le M23 sont des terroristes rwandais. Les conclusions devaient ramener le M23 au Rwanda. Mais on le garde à Sabir du côté Congo. Pourquoi? Qui gagne, qui perd? On perd. C'est la République démocratique du Congo qui est en train de perdre dans ces négociations. Rien que pour parler de ça, il y a plusieurs choses à relever qui démontrent à suffisance que nous sommes allés bras ouverts pour accompagner les négociateurs rwandais. Ce qui est inacceptable. Ces terroristes rwandais doivent rentrer chez eux. Et la seule manière à remettre ces gens-là chez eux, c'est avoir une armée bien outillée pour frapper ces gens. Il faut rappeler aux Congolais. On ne peut pas dire à notre armée, comme le disait Ndayishimiye, que notre armée est incapable de finir avec ces mouvements terroristes rwandais, que notre armée est incapable d'en finir. Notre armée a réussi à le faire en 2013. On a réussi à le faire accompagné de la MONUSCO. On a réussi à frapper les M23 et en finir. Mais pourquoi aujourd'hui on n'en arrive pas? Parce que ceux qui dirigent le pays aujourd'hui ne sont pas sérieux. La question que je vous pose également, si je ne la pose pas maintenant, ça peut m'échapper. Hier, on a suivi tous les ministres de l'Industrie, Julien Paluku. Je ne sais pas au nom de quoi il parlait, c'est parce qu'il fut gouverneur de ce côté, ou soit, je ne sais pas, actuellement il est un ministre de l'Industrie, mais il prend parole dans ce qui se passe à l'Est. Il dit que non, il a affirmé, c'est quand même les Rwandais, créé comme une diversion dans la communication. Il a affirmé que non, aujourd'hui il y a 500 FDLR en République démocratique du Congo. La question que les internautes se sont posées, ou soit l'opinion, c'est lui qui a compté ces FDLR, que le Rwanda dit ce matin, midi, soir que non, c'est la RDC qui attaque le Rwanda en complicité avec les FDLR. Ou comment expliquer que non, c'est un ministre qui dit ça, qui affirme que non, il y a 500 FDLR ici en République démocratique du Congo. Mais écoutez, lorsque vous lisez encore le communiqué, je crois, parce que c'est communiqué, encore il y a des choses à dire, il y a eu deux versions, le communiqué de Luanda. Et de Luanda, oui. Il y a eu deux versions, la version française et la version anglaise. Et lorsque vous lisez la version anglaise, on parle de la cessation de tout soutien au mouvement rebelle. Bon, on ne parle pas de mouvement terroriste comme l'a dit notre gouvernement. Moi, j'aurais bien voulu avoir des négociateurs qui arrivent à imposer nos thématiques. Exactement. Mais ils sont même incapables de les imposer. Nos propres narratifs. Notamment les FDLR. Donc, ça veut dire qui soutient le M23, qui soutient le FDLR. Lorsque dans le même communiqué, on vous dit que le M23 va rester du côté Congo et on vous dit, vous, de laisser tout soutien au FDLR dans la version anglaise, il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire que vous reconnaissez que vous avez des soutiens. Vous soutenez les FDLR. Ils sont chez vous également. Ils sont aussi chez nous. Vous savez, tout ça, c'est une histoire à faire dormir debout. Et c'est un problème de communication, c'est un problème de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je répète encore ce que j'ai. C'est un manque de sérieux. On ne prend pas au sérieux ce que nous faisons. Et les autres aujourd'hui le savent. Personne ne respecte la République démocratique du Congo. Tout ça, pourquoi? Parce que nous avons de mauvais gouvernants aujourd'hui. Des gouvernants qui ne sont pas sérieux avec la conduite de la chose publique. Ils ne sont pas sérieux, très cher Kramik. Je vais répéter ça mille fois pour que les Congolais le retiennent. Que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ne sont pas sérieux. S'il faut le répéter, ils prennent les choses de l'État à la légère alors que les Congolais meurent, alors que nous avons 6 millions de déplacés, alors que à Kishishe, il y a eu 300 morts, alors que à Maluku, il y a eu 12. Il peut y en avoir encore parce qu'ils ne sont toujours pas prévoyants. Ceux qui dirigent les pays aujourd'hui ne sont pas sérieux. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, nous l'avions dit et répété. En tout cas, à court terme, comme Kadima nous a dit que les élections, c'est le 20 décembre 2023, une solution à court terme, c'est d'abord mettre hors de tas de nuire Félix Tshisekedi. Parce que ces décisions sont des dangers publics. Ah bon?
On avance. Ces ministres ajoutent encore, ou soit rajoutent, en disant que le Rwanda veut trois choses. Un contrôle militaire, un contrôle politique, un contrôle économique. Quand il parle d'un contrôle politique, je ne sais pas si les ministres apaisaient un contrôle militaire et politique. Je ne sais pas si les ministres apaisaient ces mots. Un contrôle politique, un contrôle militaire, c'est-à-dire que le Rwanda veut contrôler la souveraineté de la RDC. Ben, écoutez, nous sommes... Les États, je le dis ici, les États sont de monstres froids. Ils ne visent que leurs intérêts. J'aurais appris que le Rwanda a un problème d'espace. Le Rwanda, ses idées expansionnistes, il ne va pas l'arrêter. Et c'est depuis très longtemps. Hein? Et laissez-moi vous choquer, laissez-moi les choquer les Congolais. Un État avoir des idées sur les territoires des autres, sur les intérêts des autres, est légitime. Oh, le c'est Congo légitime. Aujourd'hui aussi, oh. Oui. C'est légitime pour le Rwanda d'avoir ses idées. C'est aussi légitime. Non, faut pas. Pourquoi je parle d'un État. Ah, d'accord. Pourquoi vous parlez seulement du Rwanda? Il faut aussi dire que le Congo aussi. Le jour où le Congo va se réveiller, le jour où le Congo grand sera dirigé par c'est des personnes compétentes, c'est comme a dit Adolphe Mouzito d'annexer, n'est-ce pas, de personnes compétentes, le Congo peut avoir des intentions d'annexer le Rwanda. Aujourd'hui, la Russie exactement. Le fait. Adolphe la Russie, la Russie nous l'a démontré, il a annexé des États, ouais. N'est-ce pas? C'est légitime. Maintenant, c'est à vous, en tant qu'État, de vous constituer en une force pour que les intentions des autres, la force des autres, ne viennent pas vous piétiner. Mais non, les cas des RDC, on perd. Je suis dans un principe entre États. Maintenant, lorsque vous n'avez pas de gouvernants sérieux, lorsque les politiques congolais continuent à croire, pour avoir le pouvoir, il faut aller s'agenouiller chez les petits Kagame, il faut aller s'agenouiller dans un petit pays comme l'Ouganda, où on a nos envoyé Bissau. À nous croire ainsi. Est-ce que vous avez suivi le discours de monsieur le ministre est légitime? Est-ce que vous avez suivi monsieur Guissaro envoyé en mission spéciale par le président de la République en Ouganda? Il est allé pratiquement s'agenouiller auprès de Museveni pour lui dire sans toi, nous n'aurons pas la paix au Congo. Exactement. Est-ce que vous imaginez dans quel état d'esprit nous sommes? Nous, à l'envoi, nous disons la défaite du Congo d'abord mentale. Nous avons perdu dans le mental, on n'a plus un leadership qui porte. Le problème, je l'insiste et je le répète, c'est le leadership au sommet de l'État. Ouais. C'est le leadership au sommet de l'État aujourd'hui. Donc, on ne peut pas aller s'agenouiller vers un autre chef d'État pour des problèmes internes. Et chaque chef d'État nous rappelle que le problème du Congo, c'est le Congolais, allez les résoudre vous-même. Cher ce n'est pas sérieux, les gens qui nous disent, ils ne sont pas sérieux. Chers compatriotes, ce que Julien Paloukoua dit, c'est-à-dire que tu as un Moussoussou, tu as dirigé par le Rwandais. Le contrôle politique, c'est ça. C'est-à-dire un jour, armée Nabisso et Rosalate, et comme armée, il y a le Rwandais. Mais le processus s'est bandité. Toi, tu n'as pas su. Vous n'avez pas su. Vous suivez ou pas? C'est à peine voileux que ça se fait. Est-ce que vous savez dans le troupe de l'EAC, il y a aussi le troupe ougandaise? Oh. Ben oui, dans les troupes qui sont venues, les troupes ougandaises sont ici. Et d'ailleurs, les troupes ougandaises sont ici depuis longtemps, à travers un accord de mutualisation. Pour ouvrir une parenthèse, j'étais scandalisé aujourd'hui. Quel mensonge! J'ai suivi le porte-parole du gouvernement. Oh, il dit, on n'a jamais conclu des accords avec le Rwanda sur des questions sécuritaires. C'est faux. Oh, c'est faux. Mais... Sans ne soyons pas amnésiques. Allons-y. Au Nord Kivu, à Goma précisément, nous l'avions tous vu que la police rwandaise était entrée pour aider la police congolaise. Si le chef de l'État n'a jamais signé des accords, de tels accords, ils étaient entrés sur base de quoi? C'est sur base de quel principe que les génies militaires rwandais allaient construire une cité pour le sinistré des Nyiragongo? Mais il faut arrêter, les Congolais, ne soyons pas dupes. Le ministre de la Communication ne peut pas passer sur Top Congo et nous rencontrer des inepties. L'armée ougandaise se retrouve sur notre sol par un accord de mutualisation, encore que lui-même n'était pas informé, le ministre de la Communication. Lors de sa première sortie à l'entrée de cette armée, il nous a dit que l'armée ougandaise n'est jamais entrée sur notre sol, alors que la population sur place nous disait que cette armée était déjà chez nous. Mais qu'on arrête de rencontrer des inepties aux Congolais, ce sont des problèmes du pays, il faut le conduire avec sérieux. Nos amis d'hier, qui étaient avec nous à l'opposition hier, aujourd'hui, ne sont pas sérieux dans la conduite des questions. Ils ne sont pas sérieux. Merci beaucoup, Maître Rodrigue. Non, on ne peut pas franchement, on ne peut pas de voir que Mboka,
biso ba tata mikolo tozabwe ba maître rodi so atelmi mbinga mobali momo na moi pays moko Rwanda zota beta na internet de carte RDC na carte Rwanda omona Rwanda ya lokola moi eteni ya RDC mke jugo moi eteni ya pays wana ezoni ko la pays muneni lokola RDC bambinga jugo zo beto temi bambinga doko kapete on est là on regarde mais passivement Rami. Regarde, parce que tu parles aussi à Lingala, ouais. Regarde, Tala, il y a eu des nominations ici, ouais. Des bourgmestres, des administrateurs du territoire. Ce qui démontre encore qu'on n'est pas sérieux. Vous savez que nous avons dans ce pays des territoires, des aminènes, à peu près l'équipe même superficie Rwanda. Exactement. Mais c'est quoi, vous nommez des personnes inexpérimentées dans l'administration publique, ouais. Avec tous les défis sécuritaires que nous avons dans ce pays, avec tous les défis infrastructurels que nous avons dans ce pays, vous nommez un novice. Non seulement qu'il est novice de l'administration publique, il est inexpérimenté. L'unique expérience qu'il a, c'est être militant de l'IDPS pendant 37 ans. Est-ce que vous pensez que dans ces conditions, nous sommes sérieux? On n'est pas sérieux. Ceux que nous gouvernons ne sont pas sérieux. Comment on peut oser? On peut prendre une telle décision alors que nous sommes un pays post-conflit, déplacer à la tête de nos territoires des personnes inexpérimentées. Je ne suis pas contre le renouvellement de la classe politique, mais ça doit se faire sur base de certains principes qui doivent rassurer la quiétude, rassurer la continuité de l'État. Là, c'est logique. Des fois, nous pensons que c'est de la blague. Est-ce que les gens savent que l'ex-Yougoslavie a été balkanisée? Ouais. Est-ce que les gens se rendent compte que la Somalie a été balkanisée? Mais ce projet-là ne doit pas passer au Congo. Cela ne passera pas au Congo. Parce que nous avons un peuple qui a déjà un état d'esprit, qui a l'héritage de Lumumba. Notre peuple dit non à la balkanisation. Ouais. Et le petit Rwanda de Kagame là ne peut pas menacer le Congo. Si le Congo a des dirigeants sérieux, si Kagame aujourd'hui ose parler du Congo et pointer du doigt nos problèmes internes, c'est parce que nos dirigeants ne sont pas sérieux. Ils sont allés en 2019 s'agenouiller devant les grands Kagame, comme ils l'ont fait en 2022 ici, s'agenouiller devant Museveni. Alors, là je viens de voir une information qui vient de nous parvenir. On dit ceci, pour la première fois, selon les journalistes Pascal Moulegua, je cite, il y a un communiqué du M23. Le M23 s'est dit prêt à amorcer les désengagements et à se retirer, même s'il n'était pas représenté au sommet de Luanda. Les rebelles demandent un dialogue direct, comme toujours, avec Kinshasa, afin de trouver une solution durable aux causes profondes du conflit dans l'Est. Après les ministres sommets, ils ont également demandé un dialogue. Ils ont toujours demandé ça. Ouais. Maintenant, là, ils disent que non, ils sont prêts à désamorcer, et ainsi de suite. Je ne sais pas. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Continuer avec le feu ou soit essayer... Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Non, déjà, le gouvernement ne sait pas ce qu'il doit faire. Oh, le gouvernement? Non, le gouvernement ne sait pas ce qu'il doit faire. Le problème, c'est dans la manière de présenter les choses. À un moment, ils présentent les M23 comme des terroristes, mais après, quand ils partent négocier, ils négocient avec le Rwanda. Ils disent que les M23 sont des rebelles. Qui veut tromper qui? Ils veulent tromper la population. Il faut nous dire, la population doit avoir un comportement à tenir vis-à-vis de ces rebelles. Pour moi, ce sont des terroristes. Ce sont des terroristes. Ces gens, ils ont tué 300 Congolais à Kichiché. Ce sont des terroristes. Et un gouvernement sérieux ne doit pas négocier avec des terroristes. Ouais. Un gouvernement sérieux doit frapper des terroristes. Avez-vous suivi le secrétaire d'État, Blinken, qui a cité également le Rwanda? Il a dit clairement que non, le Rwanda doit cesser de soutenir les M23. Mais jusqu'à présent, les sanctions ne tombent pas. C'est ça. Le secrétaire Blinken a clairement indiqué que tout soutien extérieur a des goûts. Ce que nous voulons avec ces Kagame, tout ce que nous voulons, ce sont des sanctions. Mais les soutiens, les interdictions, on n'en a que faire. Il faut sanctionner le Rwanda.
Il faut affaiblir le Rwanda. La communauté internationale doit sanctionner le Rwanda parce que ce pays ne vit que des aides. Il doit être sanctionné. Le soutien, il faut bâtir la politique. On a tenu qu'à Tchakaltala, Grammy, Congo, il faut tout vendre. On s'organise nous-mêmes. On est capable nous-mêmes. Attends, Pexibiso, notification, embargo. Le Congo est capable aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme matière première, exactement, si nous sommes sérieux, de commencer à fabriquer des armes ici. Ouais. Nos armes, les armes fabriquées, mais est-ce qu'on ne va pas nous sanctionner encore? N'est-ce pas? Est-ce qu'on ne va pas nous sanctionner encore depuis? On va nous sanctionner pourquoi? Parce que c'est nous-mêmes qui fabriquons des armes. Ah, et deux. J'aurais même appris par le professeur Njoli à l'époque. Le professeur Njoli nous a dit, lorsqu'ils étaient en rébellion contre le musée du Père, ils étaient bombardés par des bombes artisanales fabriquées au Qatar. Donc ça veut dire que nous avons du potentiel. Le Congo a tout pour être grand, pour se lever. Mais les problèmes qu'on a aujourd'hui, ceux qui dirigent ces pays ne sont pas sérieux. Ceux qui dirigent ces pays n'ont aucune vision. Il y a une faiblesse alors criante du point de vue leadership. Le Congo n'a pas de leader, quelqu'un qui peut donner l'impulsion pour que le Congo se réveille. Les problèmes du Congo aujourd'hui, ce sont ces dirigeants qui ne sont pas sérieux. Merci beaucoup, Maître Rodrigue Ramazani. On prend la question, c'est vrai que ce qui est actualité, M. Soye, s'il y a une actualité, ou soit s'il y a un point qui nous passe par la tête, on pourrait à tout moment revenir sur cette question de l'Est, parce que ça nous préoccupe vraiment autant. On fait une transition, on suit cet élément de Aaron Mukula, qui a participé également à la marche initiée par des prélats, la CENCO, pour soutenir les FRDC et exiger la paix à l'Est. Aaron Mukula avec toute son équipe, les RAC, Rassemblement des Katumbistes, avec tout leur cœur des patriotes, des patriotismes, également sous la recommandation, soit sous l'égide, sous l'ordre de leur leader Moïse Katumbi. Les RAC étaient présents avec une présence très remarquable. On suit cet élément de quelques minutes, deux minutes je pense, et nous allons revenir pour prendre la question électorale. Délice Sanga, selon la vidéo qui circule, dit que ça serait très difficile qu'on puisse avoir des élections transparentes en 2023. Est-ce que ce calendrier sera respecté? On en parle après cet élément du RAC. Nous sommes venus répondre à l'appel
lancé par nos évêques. Le même message a été relayé par notre leader, le président Moïse Katumbi. Chaque fois que vous connaissez bien, à ce sujet, nous sommes venus exprimer notre colère à ce jour à travers l'Église catholique où nous nous sommes rassemblés à ce jour pour dire non à l'agression dont fait face la République démocratique du Congo. La RDC veut la paix. Le peuple congolais veut la paix. Sans la paix, nous ne pouvons pas développer la République démocratique du Congo. Les rassemblements des Katumbistes et Aaron Mukul avec toute son équipe, on sent les patriotismes et on sent les nationalismes pour accompagner les FRDC, les RAC disent ceci, aucun développement sans la paix. Les RAC exigent avec son coordonnateur général, M. Aaron Mukul, je rends bien sûr également de leur leader, autorité morale, Moïse Katumbi. Alors, maître, avant de clore totalement ces sujets, les ministères des Affaires étrangères russes a présenté sa compassion compte tenu de ce qui s'est passé à Kishishe. Comment vous réagissez? Les ministères disent ceci, nous condamnons fermement cet acte de violence barbare et présentons nos sincères condoléances au nom du peuple congolais, ami, un peuple ami. Nous sommes convaincus que l'extermination inhumaine des civils doit faire l'objet d'une enquête approfondie et que les auteurs doivent être sévèrement punis. On fait d'une pierre deux coups. Comment vous réagissez également avec cette tendance en Afrique qui pense que les saluts de l'Afrique pourraient venir avec les partenariats de la Russie? Également, j'entends ça également ici en RDC. On pense qu'on doit migrer et quitter les Occidentaux pour la Russie. Le salut de l'Afrique viendra de l'Afrique. Le salut de l'Afrique viendra lorsque l'Afrique comprendra que les pays africains comprendront que ce sont des États souverains qui n'ont besoin pas de la France, pas des États-Unis. Tout ce qu'ils doivent être, c'est être un État. Moi, à mon sens, c'est comme ça que je vois les choses. Nous avons des États comme l'Afrique du Sud. Ce sont des États à part entière. Nous avons plusieurs États dans le monde qui fonctionnent. Mais le problème aussi de l'Afrique, c'est cette tendance quémandeur de nos dirigeants qui partent eux-mêmes, en fait. Quelqu'un qui est candidat, qui décide lui-même d'aller voir les Kremlin, qui décide d'aller voir les Quai d'Orsay, qui décide d'aller voir Washington pour essayer d'aménager pour qu'on lui trouve des passerelles. Tant que on ira quémander le pouvoir ailleurs, ça continuera à poser des problèmes. D'où l'intérêt pour l'Afrique d'organiser des bonnes élections. Les jours où le peuple africain va déterminer sa souveraineté, on en parlera peut-être au prochain sujet, déterminer sa souveraineté par de vraies élections et non des élections qui sont financées de l'extérieur, et c'est l'extérieur qui décide qui va gagner et qui va perdre, l'Afrique va continuer toujours à croire que son salut viendra de l'extérieur. Ça, c'est le premier combat. Donc, le premier combat, il faut la reconquête de notre souveraineté par le respect de la volonté du peuple. Tant que la volonté du peuple africain ne sera pas respectée, nous allons continuer à balbutier. Mais après, la compassion, c'est très bien. Nous sommes un État, nous sommes dans une situation difficile. Nous avons besoin de la compassion des autres. Moi, je salue tous ces États, mais la Russie est un État membre du Conseil de sécurité. Membre permanent, mais... D'ailleurs, membre permanent, parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Qui a un droit de veto. Qui a un droit de veto en plus. Eh bien, je pense que la Russie ne s'arrêtera pas à des simples déclarations pour faire... Pour adoucir les mœurs de Félix Tshisekedi, qui a envoyé il n'y a pas longtemps son ministre de la Défense en Russie pour coopérer. Je crois qu'ils vont aussi prendre des mesures pour que, tant soit peu, le Rwanda soit sanctionné, mais Paul Kagame soit mis en état d'arrestation à la Haye, à la CPI. On doit arrêter Paul Kagame. Paul Kagame doit être arrêté, c'est un criminel. Il doit être arrêté, c'est un chef d'État criminel. Kagame doit être arrêté, il a commis beaucoup d'atrocités au Congo et ceci ne doit pas s'arrêter que par des simples déclarations, il faut des actes, des actes concrets. Et après, il y a toujours cette question de Syrie qui revient au Congo. Nous ne pouvons pas attendre
Les autres peuvent ou ne peuvent, ils ne peuvent pas selon leurs intérêts. Si la Russie, les États-Unis, la France estiment qu'ils ont encore des intérêts vis-à-vis du Rwanda ou l'Angleterre qui vient d'envoyer, il a des accords pour envoyer ses réfugiés au Rwanda. Je vois très mal que l'Angleterre, la Grande-Bretagne sanctionner cet État. Le Congo doit être sérieux. Sérieux parce que lorsque le chef de l'État lance l'appel aux volontaires et que les volontaires arrivent et ils sont recrutés. Il faut être serré, il faut encadrer ces jeunes. Il ne faudrait pas laisser ces jeunes croupir de faim, manquer de nourriture, pour que ces derniers vivent dans des conditions exécrables, dans la famine. C'est inacceptable. C'est ce qui démontre aussi qu'on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Là, c'est les propos de M. Rodrigue Ramazan. On prend le sujet, on va finir avec ça. La question électorale. Il y a une vidéo du député Delis Sessanga, je ne sais pas, à vous de préciser à l'opinion. Et c'est une vidéo récente, c'est une ancienne vidéo, mais il parle des élections de 2023 qui ne pourraient pas, selon lui, être transparentes. Votre réaction, on en parle, en tout cas le calendrier est là. L'enrôlement doit commencer ce 24, dans quelques jours. Aujourd'hui, nous sommes les combien? Aujourd'hui, nous sommes... Les 6, donc dans 19 jours, dans une dizaine de jours, l'enrôlement doit commencer. Mais vous, en vol, vous estimez que les élections ne pourraient pas être transparentes. Alors, déjà, on commence la première des questions. Quand vous dites que... Alors, vous précisez d'abord si la vidéo est récente ou bien c'est une ancienne. Mais la question que je vous pose, quand vous dites que les élections ne pourraient pas être transparentes, là, vous ne croyez pas directement au calendrier ou comment? Je parle d'abord de la vidéo, ensuite on va parler du calendrier. Effectivement, la vidéo date de juillet 2022. De juillet? De juillet. Aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre. C'est ça la difficulté avec nous, c'est notre sens d'anticipation. Ouais. L'honorable Sessanga a parlé de ça. Nous sommes au mois de juillet. Juillet 2022. Et c'est aujourd'hui, au mois de décembre, que les gens se rendent compte. Ah, tiens, Sessanga parle. Non, Sessanga n'a pas parlé. Il a parlé de ça au mois de juillet. Ah, d'accord. Cette position, alors, on l'a prise au mois de juillet. Et pour parler du calendrier. Allons-y. Vous croyez à ce calendrier? D'abord, après la sortie du calendrier, je crois, le 6, c'était le 26 novembre, si je ne me trompe pas, que la CENI a publié ce calendrier. L'envol avait réagi, je crois, le lundi, c'était le 28. Le 28 septembre, l'envol avait réagi par un point de presse. Oui, j'ai vu le point de presse. L'envol a pris acte de ces calendriers. Ah, d'accord. Nous avons pris acte de ces calendriers et nous avions agi ainsi en conformité avec notre bureau politique, tenu ici du 14 au 16 octobre à Kinshasa, où plusieurs... camarades sont venus de l'intérieur du pays et de l'extérieur. Nous avons discuté notamment sur le processus électoral et les participants au bureau politique ont décidé que l'envol devait aller aux élections coûte que coûte. Et sur base de ça, nous avons pris acte du calendrier de Denis Kadima. Mais cependant, nous avons soulevé des écueils. Nous nous sommes dit que ces calendriers comportaient des écueils. Ces calendriers n'étaient pas réalistes et incohérents. Pourquoi nous le disons? Il y a un problème de délai constipé. Dans ces calendriers. À des délais constipés. Des délais qui sont constipés, qui ne permettra pas en réalité de mener à bien le processus électoral. Tenez par exemple les délais d'enrôlement. Allons-y. Pour 40 millions d'électeurs, à peu près plus de 40 millions d'électeurs, nous sommes en 2018, et pour les autres cycles électoraux, la CENI avait prévu à peu près 120 jours. Allons-y. Cycle électoral 2018, 120 jours pour l'enrôlement des électeurs. Mais pour ce cycle électoral, la CENI de Denis Kadima nous dit, ok, moi je vais enrôler plus de 50 millions de Congolais, mais je vais le faire en 100 jours. En 3 mois. En 3 mois. Mais il faut nous dire, qu'est-ce qui a changé sur le plan infrastructurel et logistique qui permet ces rabattements de délais? On parle de la création d'une application. On arrive. Je vais t'expliquer. Allons-y. Il faut nous expliquer parce que l'ancienne CENI avait comme avantage la MONUSCO qui avait aidé pour les autres processus électoraux le déploiement des kits d'enrôlement. Exactement. La MONUSCO était venue en appui.
Alors que nous le savons tous que la MONUSCO est en processus de retrait et qu'il ne va pas porter sa main forte à la CENI pour cette fois-ci. Donc il y a un défi logistique d'abord à relever du côté de la CENI et un défi infrastructurel. Est-ce qu'on a construit des routes pour nous dire que ok, ces défis infrastructurels et les défis logistiques que nous avons pu surmonter nous permettent de rabattre les délais. C'est une inquiétude que l'enfant l'exprime. Oui. On se dit, à un moment donné, il y a de l'incohérence. Oui. Parce qu'il faut nous expliquer sur quelle base de données techniques que vous nous dites que vous rabattez le délai. Deuxième chose, ils nous disent toujours dans le délai, ils disent, ok, pour les opérations de dédoublonnage, ainsi que l'audit du fichier électoral, le cycle électoral passé, on a prévu 180 jours pour enlever le doublon. Et je tiens à rappeler que pour seulement pour l'élection de 2018, l'OIF a rendu un rapport où on a élagué une affaire de 7 millions de doublons. Oui. 7 millions de doublons dans le fichier électoral. Et l'audit, ensemble mélangé, cette opération prenait 180 jours. Mais Denis Kadima nous dit qu'il va faire une performance mondiale inexpliquée. Il va faire ces deux opérations en 6 jours. Quelle légèreté! Sans pourtant dire à l'opinion. Parce que le processus électoral n'appartient pas à Denis Kadima. C'est un expert, hein? Là il faut le souligner. C'est pourquoi nous disons que ce calendrier n'est pas un calendrier conçu par des experts. C'est un calendrier qui a subi des manipulations politiques. Oh. Oui, un calendrier qui a subi des manipulations politiques. Un calendrier qui n'a aucune crédibilité. Comment on quitte de 180 jours à 6 jours pour l'audit et l'opération de doublonnage? On ne nous explique pas. On ne nous explique pas comment on va y arriver. Pourtant, dans cette légèreté, c'est une conséquence. C'est ne pas se rendre compte des méfaits que le processus électoral fait subir aux Congolais chaque année électorale. Vous savez pourquoi on fait l'audit du fichier électoral avec toutes les parties prenantes? Pourquoi on prend tout ce temps? La confiance. C'est pour la confiance. Rassurer les parties prenantes. Rendre le processus crédible, transparent. Oui. Mais en réalité, lorsque vous regardez les autres écueils, notamment l'enrôlement des Congolais de l'étranger, cette ouverture, l'élection des Congolais des étrangers pour élire le président de la République, c'est très bien. Nous sommes tout à fait d'accord. Et c'est pris en charge par la loi électorale, ça. Oui, c'est pris en charge. Ah, mais seulement la manière dont cela est décidé, de manière unilatérale. Sans consensus avec les parties prenantes. Donc la CENI, Kadima dort et se réveille un bon matin, il dit « Ok, je vais à le Congolais de la France, du Canada... » et de Belgique, je ne sais pas quel autre pays, vont voter. Tout en laissant du Congo-Brazzaville et celui de l'Angola. Mais il fait ça sur base de quoi? Sur base de quoi? Quel est les critères? C'est très subjectif. Après, il n'y a pas que ça. Il y a le problème de pré-enregistrement des électeurs qui n'est encadré par aucun texte légal. Aucun texte légal. Monsieur Kadima et sa CENI ne sont que des exécuteurs de la loi électorale. Ils ne peuvent pas inventer des procédés qui n'existent pas dans la loi électorale. Mais on a assisté ici à la machine à voter qui n'avait avec quelles conséquences? Avec quelles conséquences? Ce processus a jeté du discrédit au processus électoral de 2018 qui nous a amené aujourd'hui dans le combat des vérités des urnes. Parce que les Congolais n'y croyaient pas. Or, si c'était encadré par la loi, défini avec toutes les parties prenantes, on serait allé aux élections. Le problème ici, quand nous on se battait, il est dit aussi l'honorable Sessanga dans cette conférence que vous suivez, qui circule, nous nous sommes battus pour avoir un processus électoral consensuel pour 2023. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que la CENI se fait, il travaille pour le compte de l'Union Sacrée afin d'avoir. La CENI, La CENI travaille pour. C'est une CENI monolithique, cher ami. Il faudrait pas. Il y a les membres de l'opposition. Non, ce sont des débauchés. Mais l'AMOUKA a fait une note à Mbosso pour lui dire qu'il n'a pas envoyé des délégués. Le FCC aussi, par Ramassan Tchadar, ils ont fait des... Je ne sais plus si c'était qui dirait ça. Ils ont envoyé pour contester tous ces gens qui étaient choisis. C'est une CENI Union Sacrée, c'est monolithique. On n'a jamais eu une CENI aussi contestée que la CENI de Kadima. Laissez-moi finir. En réalité, qu'est-ce que M. Kadima et l'Union Sacrée veulent? Est-ce qu'il fait le Tshisekedi? C'est d'avoir de marge de manœuvre. Une liste des électeurs qui vont garder dans leur base de données
pour qu'au moment opportun, ils vont le bombarder à un candidat de leur choix pour à nous amener carrément une tricherie à grande échelle. Ce qui se prépare n'est pas des élections, nous le savons. Ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont en train de préparer, c'est une fraude électorale. Monsieur Kadima et Félix Tshisekedi préparent une bombe contre le Congolais. Comment, les élections de 2023, les Congolais doivent le savoir. Et l'envol l'avait déjà dénoncé. L'envol l'avait dénoncé à travers une opération qu'on avait lancée. Telle est la fraude électorale. Deux petites questions avant de finir. La première, je ne sais pas si vous aviez réagi face à cette question. On aurait appris, selon les dénonciations de la société civile et puis de certains organismes, qu'il aurait en tout cas... la cartographie électorale. Exactement, des centres. Mais ça fait partie des écueils que nous avions soulevés. C'est dangereux, c'est que M. Kadima et son équipe ainsi que l'Union Sacrée préparent. Vous imaginez avec tous les conflits. Confidence à ce sujet de Denis Kadima. Il était en Europe où il a échangé avec certains représentants des partis politiques. Ce qu'il a dit, si je balance ça, mais c'est très grave. Mais je te dis, mes caméras étaient là. Monsieur Kadima n'est pas crédible, lui monsieur Kadima, dans la manière dont il conduit le processus électoral, c'est le plus un expert. Toute l'expertise qu'on nous a vantée, c'était monsieur manipulé par l'Union Sacrée. Monsieur Kadima et Sassini, ils sont manipulés par l'Union Sacrée. Comment, il faut nous dire sur quelle base vous avez réduit dans certaines provinces le nombre de centres d'identification pour en augmenter dans d'autres provinces, sans critères, sans explication fiable. Les problèmes ici avec la CENI, les débats sont techniques. Il faut techniquement avancer des arguments pour nous dire nous réduisons ici pour ça. C'est pourquoi l'envol exige la publication de la cartographie électorale dans un consensus avec toutes les parties prenantes. Monsieur Kadima ne peut pas décider seul. La CENI, le processus électoral ne lui appartient ni à lui, ni au président Félix Tshisekedi. Le processus électoral est un processus des Congolais. Ce sont les Congolais qui doivent se choisir leurs dirigeants. Ce qu'ils font à travers la cartographie électorale, c'est dangereux. Nous avons déjà un pays qui est divisé du point de vue communautaire, du point de vue ethnique. Lorsque vous posez des actes qui s'apparentent au favoritisme électoral tribal, c'est dangereux dans un pays comme le Congo. Et M. Kadima est en train de jouer à ce jeu dangereux. C'est pourquoi l'envol exige la publication de la cartographie électorale. Mais ce n'est pas fini. Suivez tout le temps M. Kadima nous dire ici les budgets, on n'a pas libéré les moyens. Il y a beaucoup de contraintes. Il dit qu'un retard de 4 ou 3 mois comme ça. Aussi longtemps le gouvernement dit autre chose, lui également il parle d'un... Bon, tout en reconnaissant M. Kadima, ce qu'il appelle, on parle de l'autonomie financière et tout ça, mais est-ce que vous et moi on peut se regarder droit dans les yeux tant que Congolais avertis? Vous connaissez le budget des élections de 2023? Combien va nous coûter les élections 2023? On parlerait d'un milliard un peu comme ça. Mais M. Kadima n'a jamais publié ça, je ne sais pas d'où vous tirez les chiffres. Exactement. M. Kadima n'a jamais publié. On parlerait d'un milliard dans le couloir. On ne connaît pas le budget. Mais il nous dit, mais cependant, il nous prévient quand même que pour le déploiement des kits d'enrôlement ainsi que des kits électoraux, il va procéder par le moyen d'avion. Ce qui aura pour conséquence l'augmentation du budget. Mais ce budget coûte combien à l'État congolais? Les Congolais doivent savoir. Et l'envol exige à M. Kadima publication du budget global. Maintenant, parlons de contraintes. Les contraintes, M. Kadima a commencé à l'annoncer au mois de février 2022. M. Kadima nous a annoncé des contraintes à travers la publication de sa feuille de route. Nous sommes au mois de décembre 2022. Pourquoi c'est les mêmes contraintes? Je vous dis, les mêmes contraintes. Attends, Moko Bolongolité, gouvernement de Warrior. Attends, contrainte Moko Bolongolité. Pour y a les porte-parole du gouvernement qui passe aujourd'hui sur Top Congo, pour nous rencontrer des inepties. Pour nous raconter sa vie. Non. Là, c'est un peu très fort. Des inepties pour un porte-parole du gouvernement. Je parle du porte-parole du gouvernement. Je ne parle pas de sa vie. Je n'ai pas besoin de connaître sa vie. Je parle de questions d'État. Ce qui nous rencontre là, ce sont des inepties. Nous sommes au mois de février. On vous annonce des contraintes. Et votre gouvernement ne fournit aucun effort pour finir avec ces contraintes. Et vous venez pour nous rencontrer. Il y a une volonté manifeste. Il n'y a pas
les volontés politiques pour nous amener aux élections. C'est ça la vérité. Comment jusqu'aujourd'hui, après nous dire que les régimes financiers font un travail exceptionnel, bien que c'est un débat, cette question, c'est un débat, nous allons revenir au moment donné pour démontrer que cet vantardisme du gouvernement ne tient pas la route, parce que le gouvernement n'a fourni aucun effort pour nous amener là où nous sommes. Mais revenons d'abord au calendrier électoral. Vous ne faites aucun effort. Au-delà de moyens que vous obtenez à travers les recettes publiques, de financer la CENI, et vous passez sur Top Congo pour nous dire qu'il y a une volonté pour amener les pays. Il n'y a aucune volonté politique pour nous amener aux élections en 2023. Mais cependant, l'envol a pris acte. Ah, d'accord. Nous avons pris acte du calendrier électoral. Et nous disons au peuple congolais, mais aussi à toutes nos structures qui sont à travers le pays, de sensibiliser notre peuple à l'enrôlement. Notre peuple doit aller à l'enrôlement. Mais arrivé au 21 décembre 2023, s'il n'y a pas élection, M. Kadima et Félix Tshisekedi seront tenus pour responsables de tout ce qui arrivera. Mais comment vous acceptez d'aller, vous prenez acte, mais aussi longtemps, vous ne croyez pas à cette CENI, vous dites que non, c'est une CENI monolithique. Nous y allons parce que nous savons que le peuple est déterminé à mettre hors d'état de nuire Félix Tshisekedi. Vous croyez au peuple ? La détermination du peuple. La détermination. Le peuple est déterminé. Il suffit de traverser nos rues pour écouter combien le peuple est agacé de la présence de Félix Tshisekedi. On applaudit Fatih Bentou, non ? Le président de la République, le peuple n'en veut plus. On applaudit Fatih Bentou. Non, ce sont les militants de la 10e rue. Le gouverneur de la ville qui applaudit. Faut pas confondre. Non, le gouverneur de la ville. Le gouverneur de la ville, par exemple. Il est aussi un membre de l'Union Sacrée. Il ne peut que chanter pour son gourou. Ça, on peut comprendre. Avec le peuple derrière lui. Quel peuple? Ce sont les militants de la 10e rue Limité. Ce sont les militants de l'IDPS qui chantent pour Félix Tshisekedi. Mais c'est le peuple également. Vous savez où vous trouvez le peuple? C'est au marché. Ah, d'accord. Il faut aller au marché pour voir le peuple, comment le peuple est en train de souffrir. À l'est, il faut aller à Kishiche pour poser la question à ce peuple. À il faut aller à Kanyarushinya, d'où vient mon secrétaire général, alors que le président de la République n'y est jamais allé. Il faut aller à Ngandajika, il faut aller à Bunagana pour poser à ce Congolais, est-ce qu'ils sont prêts à accepter d'être sécurisés par Félix Tshisekedi. Il faut aller au Nord Kivu. Pour poser cette question, il faut aller en Ituri, au Haut-Ouélé, poser la question aux plus de 6 millions déplacés internes congolais. Posez-leur la question s'ils sont prêts à accepter Félix Tshisekedi comme président. Ils vont vous répondre, ce peuple-là, pas les militants de 10e rue, non. C'est pourquoi nous nous disons, nous irons aux élections. Et que M. Kadima, comme il a publié son calendrier, nous en prend acte. Tout ce que nous voulons, c'est les élections. Le gouvernement n'a qu'à faire son travail, à élaguer toutes ces contraintes qui sont énoncées par la CENI. Dans le cas contraire, si arrivé le 20 décembre, le 21 décembre, M. Kadima, avec son calendrier, ainsi que Félix Tshisekedi, ne font rien parce que nous sommes convaincus qu'ils n'ont aucune volonté politique pour nous amener aux élections, ils seront responsables de ce qui arrivera. Et déjà, je crois que nous arriverons au moment où nous donnerons notre position clairement. Alors, on finit avec cette question. Selon les informations, les parlements, l'Assemblée nationale aurait demandé également l'examen du calendrier. Vous pensez que c'est, je ne sais pas si je pourrais dire, c'est légal ou c'est constitutionnel ou c'est dans la loi électorale que si la CENI publie les calendriers, l'Assemblée nationale doit essayer d'examiner également des voies. Bon, je pense que l'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple. L'Assemblée nationale incarne le peuple, dans une certaine mesure, pas cette Assemblée nationale conduite de manière fainéantisme par ceux-là qui le dirigent aujourd'hui. Ils peuvent examiner, ils peuvent discuter, mais en réalité, rien ne sortira de là, parce que ces calendriers électoraux, ces calendriers électoraux est travaillé par la majorité. Mais lorsque vous lisez ces calendriers, tout expert averti vous dira que ces calendriers ont des délais constipés, ces calendriers n'est pas c'est un calendrier, très serré, c'est pas un calendrier d'un technicien, c'est un calendrier des politiciens. Et c'est les politiciens de l'Union Sacrée qui ont boutiqué ces calendriers. Et ces mêmes politiciens de l'Union Sacrée ont boutiqué la cartographie électorale. Mais qu'est-ce qui va se passer? On a déjà publié les calendriers. Si maintenant l'Assemblée nationale dit que non, on doit revoir certaines dates, donc on va republier encore les calendriers. Mais la CENI, là, vous pensez que vous avez une CENI?
C'est l'union sacrée. L'union sacrée ne fait que rappeler ses devoirs. L'union sacrée ne fait que rappeler les actes qu'il lui-même a posés pour corriger. Ah, c'est et tout compte fait, Gramique, tout compte fait, l'envoi a pris acte. Et j'ai apprécié aussi la position de beaucoup de partis de l'opposition qui ont pris acte de ce calendrier. Nous voulons les élections 2023. Nous sommes convaincus que les peuples congolais ne veulent plus de Félix Tshisekedi. Ils ne sont plus prêts à accepter de pas dire pas Félix Tshisekedi. Il n'y a pas de sérieux. Parce que je peux vous rassurer, Gramic, je peux faire même une fleur. Vous êtes candidat président de la République aujourd'hui, soutenu par l'opposition. Vous allez battre Félix Tshisekedi. Oh, moi battre. Mais soutenu par l'opposition, vous allez battre Félix Tshisekedi. Moi, je reste journaliste. Mais je vous le dis pas. Je le dis pas impossible. Si je risque et que l'opposition me soutenait, je pourrais battre les candidats de l'Union sacrée. Mais. Je vous le garantis, parce que les présidents de la République, j'allais dire amen, mais... le peuple a rejeté le pouvoir de l'IDPS. Parce Merci que notre population a constaté que les 37 ans de lutte, en réalité, n'avaient aucune vision encadrée à l'intérieur. Voilà pourquoi je dis ceci à mon peuple. Le Congolais doit savoir une chose. Oui, les derniers mots également. Effectivement, les Congolais doivent savoir que Congolais a rassuna nyonga mututé. Je préfère le dire à Lingala. Allons-y. Vous êtes libre. Congolais a fauté ni on va battre ni on sauve à Bundela qui est indépendance. Bah soit qui pouvoir va dire Charamboro. Congolais a Bundela a fauté un peu battre ni on sauve à Bundela pour nous dire la démocratie. Bah qui zenga bah Charamboro va dire Jacquian. Congolais a fauté le sous IDPS ou à Bundela qui démocratie. Congolais a fauté un peu bah ni on sauve à Sima qui mandoki pour bah Bingala bah dictateur. Congolais a fauté bah Jean-Pierre Bemba. Badelis et Sanga, Batonion Soana. Ah, Otengi, moi. Mais oui, parce que ça, la lutte armée. Moi, la hypocrite, le roi Batomus, soir, ou Angala Ranzorande. Je pense que le roi professeur. Pour Batoubaye, le professeur Mbata, pas ancien RCD. Oh, c'est vrai? Mais oui, ça fait. Le professeur Mbata, c'est un ancien rebelle. C'est un ancien rebelle. C'est un ancien du RCD. Il y a un bon balou, il y a un bon balou, il y a un bon balou. Mais il y a un abibou. Congolais, père Fouta, déjà, Batonion Soyo. Bah, ça, l'est tout, Mamandoki. Lelo. Congolais, l'élection à 2023. Ana Posaya, leader providentiel de Sodi. Autant n'a pas lelo. Et ça, peuple providentiel. Peuple Oyo, Akoya Koponamoto Oyo, Azali, na vision et Amalunga, Ponakoku Mamboka. Et ça, les Kambo à venir à l'État. Congolais, c'est une langue moutée. Kalatokan, c'est ce qui Mboutakizenga a eu pouvoir, Torzo livre d'or. Boutakizenga aura peu pouvoir, livre d'or et bimate. Tokanisa, qu'est-ce qui dépasse ses yeux pouvoir? Ecola, l'eau se requitte 50 francs congolais. Les lots, l'eau se remati. Ça veut dire que bah, les gens de Baza est sauté. Bah, mythe, bah, koufi. Bah, mythe, sauté, bah, koufi. Bah, koufi. Bah, les gens de Baza est sauté. Congolais, les lois, face à responsabilité. Élection à 2023. Tricherie ou pas, fraude électorale ou pas, peuple congolais face organisé. Merci. À s'organiser pour n'a telle la fraude électorale denga vol tour relax. Merci beaucoup Maître Rodrigue Ramazan, il s'en est fini et pour aujourd'hui débat pour la nation avec beaucoup d'émotion. J'ai présenté cette émission. J'aimerais également réitérer l'image que vous aviez suivie. Si même j'avais l'idée, j'allais la préparer déjà. Les enfants d'Aboubacar Liondo qui était passé ici. En tout cas, cette image a fait couler beaucoup de larmes aux gens qui ont suivi cette vidéo. Je ne sais pas si la justice, si la situation évolue comment, je n'ai pas les dernières informations, mais ce qui est sûr, depuis les samedis, la dernière fois que je me suis entretenu avec ces gens, parce que j'étais là en plein tournage de l'émission, ces enfants sont à la belle étoile, dehors, elles dorment comme ça, des filles, des fillettes, avec tous les risques possibles, des viols, et elles ne partent plus à l'école, simplement parce qu'il y a un problème entre leur papa et un prétendu membre frère du président de la République. Le papa est arrêté, on a emballé également la maman, et là on a déguerpi, on a saisi la parcelle, on a déguerpi les enfants dorment à la belle étoile. C'est très triste, l'infraction, on dit, c'est individuel. Il y a également, jusqu'à présent, il n'y a aucun jugement de ce qu'on reproche les papas de ces enfants, on ne sait pas. Et la présomption d'innocence est garantie. Ça fait
état de droit au gré des vents. Inacceptable. Je ne sais pas. Et également la même situation au niveau... Hier, je vous ai dit, il y a eu des échauffourées entre l'UNAFEC et l'UDPS au niveau du Haut-Katanga. Situation à Haut-Katanga, on a sauvé la condition dans la légèreté et qu'il y ait des bientés. Des ordres à chaque fois. Je ne sais pas si on entend également des gars qui ne peuvent pas mettre l'intervention à la communauté internationale. Je ne sais pas. Des désordres à chaque fois. Mais bon, l'autorité, bon, sont encore à bouer. Il y a un dossier là-bas, il y a MC Kandezobota Makambouana Nyoso. Un dossier à MC Kandezobota. On veut spolier, ou soit on a déjà spolié même, on a spolié des actifs, il y a MCK. On citerait la complicité par la société civile, la complicité, il y a président, il y a cour constitutionnelle, M. Dieudonné Bekamuleta. Jusqu'à présent, il n'a même pas réagi. On ne sait pas comment est-ce que ça évolue, mais c'est très catastrophique. Aussi longtemps, il y a déjà des arrêts rendus par la justice, même au niveau du pays, également à l'international. Mais ça fait très mal. C'en est fini pour aujourd'hui. Relais YouTube, Peter Tiani, RDC. On se retrouve demain pour un prochain numéro. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Je pense que nous avons ça, la paix aux âmes. Également, compassion à toutes ces familles éplorées qui chichaient toujours. N'a monté ma plus de 300 morts, ça fait très mal. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Merci beaucoup à Belgodor, merci beaucoup à Fia Lungela. Au revoir.